On est en train de modifier en fait une adresse pour la carte grise de madame, puisqu'elle a changé, de lieu de domicile et qu'on peut le faire en ligne. Donc je l'accompagne pour changer son adresse de carte grise. Donc là, en fait, le mot de passe, la question secrète, c'est en fait une proposition de question qu'on vous fait. Alors, dans nos maisons du département, comme celle-ci à Mérignac, nous avons des associations qui accompagnent les personnes à l'usage du numérique. Et pour cela, nous accordons à ces personnes, via nos travailleurs sociaux, des chèques haptiques, qui sont des chèques de 10 euros l'un, et qui leur permettent d'être accompagnés en fonction de leurs besoins, en fonction des formalités qu'ils ont à accomplir via le numérique. Le cas des permanences, ce n'est pas entièrement de les rendre autonomes, ce n'est pas non plus de faire à leur place, c'est de les accompagner pour le faire ensemble. J'étais orientée par l'assistante sociale aux permanences numériques et j'étais très satisfaite, je suis très contente. Je maîtrise aussi l'ordinateur, mais ce n'est pas suffisant pour faire une démarche comme ça. On a surtout une vraie fracture qui se creuse, c'est qu'effectivement, si on n'a pas d'équipement, si on n'a pas Internet, on est totalement isolé dans la société.